Coucou les choucrouloutes, on se retrouve pour la suite de Déco Duo que je fais avec Miss Anu. Pour ceux qui ne savent pas le contexte, on fait une construction à deux, donc on a 20 minutes pour continuer la construction avant que d'autres reprennent tout simplement. Donc c'est une fois sur deux sur nos chaînes. Et je vais voir ce que Missa a fait. Et oui, j'ai un nouveau bras. Et aussi, j'ai plus la mousse. Donc ça risque de vous faire des bruits parce qu'ils ont oublié de me l'envoyer. Donc j'attends qu'ils me l'envoient. Et Missa, elle a pas chômé la gourgandine. Regardez ça. C'est trop beau. J'aime. J'aime, j'adore, j'adhère. C'est magnifique, ma chérie. J'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. N'oublions pas qu'elle a fait une église. Hein. Clin d'œil, clin d'œil. Non, en vrai j'aime bien, j'aime beaucoup. En plus, j'avais dans l'idée de mettre des briques quelque part, donc c'est parfait. Je vais pouvoir faire un truc un peu plus farfelu à côté. Je sais pas trop, on verra. Ça, j'aime bien. Donc, pour ceux qui demandent... Ah, là, par contre, il n'y a pas le papier peint, c'est normal. Bah, attendez, je finis de regarder, après je le mets. Donc, en fait, on a 20 minutes à partir du moment où on pose le premier truc, donc le meuble, le machin, le bidule, comment vous dire que je n'ai pas de vocabulaire actuellement. Bonjour! Alors, du coup, regardons ça. Ok, là, il n'y a rien. J'avais une idée pour cet endroit, donc on va voir. Ah, sympa! Du coup, elle a fait une espèce de petite boulangerie. Oh, c'est trop mignon! Oh! Une machine à cupcake! Moi, vous voyez, je voyais plutôt un truc de fringue ou un truc comme ça. C'est énorme, du coup. Mais c'est trop bien! J'aime l'idée. Bravo. Qu'est-ce que c'est? C'est du rose? Est-ce que c'est du rose? Non, ça va. C'est un peu rosé, mais c'est joli. Ça va. Attention, Missa! La pauvre. Bon, du coup, j'avais fait la semaine d'avant cette magnifique boutique de nains de jardin que beaucoup d'entre vous ont adoré, ou en tout cas ri, hein, parce que adorer, c'est vite dit. Mais j'ai pas encore vu la réaction de Missa. Comment vous dire que j'ai hâte? J'ai vraiment hâte, puisqu'on tourne un peu en avance. Bref, bon. Bah écoutez, vous savez quoi, on va commencer, hein. Donc déjà, je vais mettre ce papier peint ici. Parce que c'est trop bizarre, voilà, donc c'est bon, 2 minutes 38, donc c'est parti. C'est parti. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, j'ai encore oublié le pseudo, je suis vraiment désolée, qui m'a dit de mettre de l'herbe ici. Et c'est tellement une bonne idée, mais tellement. Du coup, on va plutôt mettre le tapis vert, voilà, pour rappeler l'herbe, tout ça, et on va mettre des petites fleurs, c'est horrible. Non, c'est pas ça que je voulais. Il y a un truc fleur, je crois. Dans divers. Non, là. Oh, trop bien. On va mettre des petites fleurs sous la commode. Voilà. Bonjour. Bienvenue chez les nains de jardin. Oh mon dieu, c'est horrible. C'est horrible. Ça, par contre, je laisse en plancher quand même. Hein. Quand même. Que la boutique soit pas trop moche non plus. Voilà. Magnifique. Du coup, j'ai bien envie de devenir... Qu'est-ce que c'est? Un écouteur, d'accord. Des écouteurs, plutôt. Un casque, même. Je vais y arriver, hein. Ah, elle a mis le mode... Ah oui, d'ailleurs, il faut que je mette... bébé move object. Object on. Voilà, c'est bon. Ouais, ouais. C'est bon, du coup. Oh, elle a mis des petits cupcakes. J'espère vraiment que ça va pas pourrir, par contre. Ça, c'est... Ça me fait un peu peur, je pense que ça risque de pourrir. Donc si vous n'avez pas compris, il s'agit de 3 magasins. Hein, et moi, je vais faire un... Je vais mettre un petit peu de couleur. Genre, venez voir les nains de jardin. Venez. Il y en a pour tout le monde. Et le mec qui rentre là-dedans, il ne va pas être déçu, tu vois. Genre, oh, ça a l'air sympa, cette boutique. Ah, non, en fait. Ça l'est pas du tout. C'est trop ça. Après, apparemment, il y en a qui aiment les nains de jardin. Hein. Moi, c'est pas mon délire, mais là, c'était juste pour le lol. Hein. Il y en a même qui m'ont dit, je savais que tu ferais ça, Loupi. Je suis prévisible. Je sais pas quoi mettre. Je voulais mettre du bleu. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée pour faire style... Style bande blanche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, en gros, comme ça, là, comme le trait de pierre, mais en blanc.
Sauf qu'il n'y a pas. Du coup, je vais mettre autre chose. Je vais mettre du blanc, tout simplement. Du blanc comme ça. Voilà. Ah, mais c'est sympa. Est-ce que je le fais jusque-là? Non, ça va faire trop. Ça va faire trop. Voilà, en gros, c'est la façade bleue et blanche. Et après, je sais pas, on met de la pierre ou j'en sais rien, moi. Genre, y a pas de la pierre chelou. Ça veut rien dire ce que je dis, mes pauvres amis. Ou de la brique? Non, ici, on met de la brique. Je voulais de la brique rouge, moi. Est-ce qu'il y a de la brique comme ça, peut-être? Non, celle-là, elle est bien. Elle est bien, celle-là. Allez, on la garde. On la garde. Hop. Et hop. T'as débordé, Missa, ou ça se passe comment? Je sais pas si elle est débordée ou quoi. Et du coup, là, on pourrait mettre de la pierre un peu différente, je sais pas. En quoi c'est fait les murs, sérieux? À part en pierre. En vraie pierre. Et ça, c'est quoi? On pourrait mettre ça. Bah, du coup, je change. Non, c'est moche. Oh! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, non. Non. Oui, non. Ah, ça. Voilà. Ouais. Hop. Attendez. Ouais, c'est bon. Hop. Et le petit pouit pouit là. Voici faire l'intérieur, tant qu'à faire. Voilà, c'est bien là. Ben voilà. C'est parfait, ma chérie. Ou pas, hein. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. Moi, j'aime beaucoup décorer avec Miss Agnew. J'espère qu'elle a adoré mes nains de jardin. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. En plus, si elle a mis sa caméra à ce moment, je pense pas qu'elle l'ait mis. Mais si elle l'a mis, mais ce serait tellement magique de voir sa tête quand elle découvre mes nains de jardin. Ce serait juste trop drôle. Pourquoi il en manque un? J'avais pas mis là? Je croyais que j'en avais mis un. Non, je l'ai mis. Hop! C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique, ma chérie. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Ah, oui, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de mettre un petit tag. Alors, je dis à chaque fois, il y a quelqu'un, parce que vous me conseillez les choses. Sauf que moi, quand vous me parlez, c'est pas que j'écoute pas, hein, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais je sais plus qui me parle, en fait. C'est génial, hein. À part les trucs super importants, et encore, et encore. Du coup, ce serait quoi? Décoration? Non, ce serait plus un tableau, non? Un tableau. C'était un magnifique. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Je crois que c'est Catilina qui m'a donné cette idée. Voilà, ça revient petit à petit. Un magnifique nain de jardin absolument moche. Absolument moche à mettre au mur. Génial. Génial. Ah, le voilà. Oh mon Dieu, il est moche. Mais je sais pas où le foutre. Là. Oh putain. Oh, c'est beau. Oh, c'est de l'art. Là, tu rentres à la de dying. Je peux te dire, tu repars tout de suite. Oh oui, on va le mettre comme ça. Il fait trop peur, le mec. Genre, coucou. Viens acheter un nain de jardin. C'est horrible. C'est horrible. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il y a pour les nains de jardin? Enfin, qui pourrait faire penser à un nain de jardin, genre un gnome, je sais pas quoi, là. Je regarde. Je sais pas trop. Mais elle a pas chômé, Missa. Hein. Franchement, GG. GG parce qu'elle a quand même fait tout un étage. On pourrait mettre E, c'est des mi, mais bon, c'est un peu des gnomes. Ah oui, mais Bibou. Bibou, si tu te lèves, comment je fais pour voir mon jeu? Couche-toi! Couche-toi! Elle est en train de tourner, là, en mode oui, je sais pas comment je me couche. Oula! Je sais pas ce qui s'est passé là, les gars. Désolé. Non, ça va pas du tout. Alors, pas du tout. Grougal, je vois plus rien. Il est chiant, lui. Grougal, c'est d'une blague. Pousse-toi. Couche-toi. S'il te plaît.
Il est chiant. Bon, bah, c'est cool, je n'ai pas la moitié de mon écran là. Les chats. Couche-toi, petit chaton. Allez, arrête de tourner. Regarde, maman. Je t'ai fait bien chier, maman. Mais couche-toi. Il se fout de ma gueule, ce chat. Bon, Grougal, c'est pas que le temps file, mais le temps. Bon, tu sais quoi? Allez, hop. On dit bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra, c'est moi qui vais chez maman. Et on dégage. Hop. Voilà. C'est bon là maintenant. Dis, on va se faire respecter un petit peu quand même. Oh, pas du tout. Il va revenir dans 5 secondes de toute façon, c'est sûr. Du coup, il m'a complètement perdu. Je suis désolée. Il m'a complètement perdu. Oh, et si on mettait un lapin? Genre. Bah oui, quand même, pour accompagner le nain de jardin, il faut un lapin qui fait sa taille, tu vois. C'est normal. Genre, il monte dessus. C'est la monture du nain de jardin, le lapin. Je suis partie loin, les gars. Je suis vraiment partie trop loin. Je suis partie trop loin. Est-ce qu'à la limite, on ferait un deuxième étage pour le restaurant? Bah oui, je pense, vu qu'il y a des tables là. Et du coup, là, on mettrait une porte et ce serait privé, tu sais, genre un appartement privé. Intéressant. Imaginons ça, genre un truc privé. Il n'y a pas une porte, genre où c'est écrit privé. Dire. Bon. Je viens de me lever en même temps, donc je dois être un peu fatiguée, je sais pas. Certes, certes, 10h, 10h, 10h. On va mettre une porte. Voilà. Par contre, c'est privé ici, hein. Du coup, on va faire un petit studio. Genre, on va lui mettre une petite cuisine. Peut-être rajouter des. Rajouter ça pour la salle de bain quand même, parce que bon. C'est gentil, mais bon, la salle de bain en plein milieu du truc. Je sais qu'il y en a sûrement qui ont ça. Mais bon. On va mettre quand même une douche bien quand même. Hop, le lavabo en face de la porte. Grand lavabo rétro. Ouais, vas-y, on va mettre ça. Avec un miroir. Et le plus important, des chiottes. Ou alors, attendez, on fait ça. Hop, et on met un mur. Parce que les toilettes séparées, c'est bien quand même, hein. Mine de rien. Parce que bon, ils sont gentils, les gens, hein, à nous foutre les toilettes dans la salle de bain. Mais bon, quand t'es deux dans l'appart, qu'il y en a un qui se douche et que t'as une envie pressante, c'est pas très glamour, quoi. Retourne-toi, chérie, s'il te plaît. Ça le fait pas trop. Ça le fait pas trop. Enfin, au final, je m'en fous, mais bon. C'est quand même pas le must. Attendez, il faut que je réfléchisse un peu. Au lieu de faire n'importe quoi. Oui, regardez, je fais encore une petite cuisine. J'en ai entendu parler de la petite cuisine, hein. Vous aviez que ce mot-là à la bouche dans la saison dernière. Ta cuisine, elle est trop petite. Là, vous allez me dire qu'elle est trop grande, c'est ça? La meuf qui se vénère toute seule. Eh bah, tant pis! Ragez bien! Rageux! Lupina, la femme qui insultait ses abonnés. Génial. Je suis un amour. Ou pas. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est très bizarre. C'est censé être comme ça, mais ça ressemble à rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bon. Écoutez, on va pas s'embêter. On va mettre ça comme ça. Hop, on va lui mettre des tabourets. Et là, il y aura le coin chambre. Hop. Un joli frigo. Un frigidaire. Le frigidaire. Le frigidaire. Non, ça c'est. Non. En fait, j'aime pas. Ah, voilà. Parfait. Une petite alarme. D'ailleurs, on va mettre ça. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, quand vous voulez, comment dire, éteindre l'incendie, il faut mettre ça, donc le détecteur de fumée. Et aussi, pour qu'il y ait les jets d'eau, il faut que vous mettiez ça.
Ça s'appelle le panneau de contrôle. Voilà, super. Donc maintenant, vous êtes au courant, vous n'avez plus d'excuses. Donc on va lui mettre des tabourets, la petite dame. Je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est une meuf qui vit ici. Ça se trouve, ce sera un mec, hein, vous faites ce que vous voulez. Ah ouais, on va mettre ça. Eh, ça va bien, je trouve. J'ai envie de mettre un petit fauteuil et puis la télé. Ou alors un bureau avec un PC. Allez, on va mettre ça. Et une petite bibliothèque, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un bureau comme ça. Un joli PC. Celui-ci, il est bien, celui-là. Hop, c'est marrant parce que leur PC, à part celui-là, et enfin à part ces deux-là, ils n'ont pas de tour. Donc je sais pas trop comment ils marchent. Faudra m'expliquer comment ça marche du coup. Parce que là, je vois pas. Je ne vois pas. Est-ce qu'on peut mettre. Qu'est-ce que. Oh, elle est belle cette bibliothèque. J'avais oublié. Elle est belle, le souci c'est qu'elle est trop. Elle prend trop de place pour ce que je veux faire. On va mettre. Ah, ça. Oh, mais c'est grand. Il en faudrait une petite, genre une basse. Ah, celle-là. Maintenant, elle est trop grande, évidemment. Évidemment, on va pas mettre celle des bambins quand même. Moi, celle-là. Mais pas en rose, hein. Bon, bleu à la limite pour aller avec le reste. On va lui mettre donc un lit, quand même, la pauvre petite. Voilà. Un bon grand lit bien moelleux. Donc ça c'est bon. Et j'avais une autre idée, mais j'ai oublié. Un miroir. Non, il y en a un dans la salle de bain. Une commode. Ça peut être pas mal. Par contre, il n'y a pas. Ça c'est chiant. Bon, vous savez quoi? On va enlever la truc là. Et ça fait vraiment. C'est pas ouf, hein. Ça fait vraiment tasser, quoi. Le mini appart, tu sais. Ouais. Je suis pas convaincue de ce que je fais. Là, ça va, là. On va mettre des lumières. Je sais que quand je suis en live et que je fais des constructions, à chaque fois, vous êtes là. Mais de la lumière! Je me fais un petit peu agresser, un tout petit peu. Mais bon, tant pis. Ils sont les petits fils, là. Je crois que c'est dans Être parent. Il y a des petits fils trop mignons que j'adore. Qui font bien kitsch. Guirlande, on va essayer. Guirlande électrique. Ouais, c'est ça. Les guirlandes électriques. Hop. Alors, on va mettre ça bien. Comme ça. Voilà. Perfect. Est-ce qu'il y a une autre couleur? Ah, en bleu, c'est trop mignon. Oui, bah écoutez, c'est la séance du bleu, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la journée du bleu, plutôt. On va mettre des petits papillons. Vous trouvez pas qu'ils sont beaux ces papillons? Enfin, ils sont dans le pack pour enfants. Je sais plus le nom. Enfant, je crois. Chambre d'enfant, voilà. Et je les trouve super mignons. La cuisine, elle me paraît un petit peu pauvre, mais je crois que c'est fini parce que du coup, je sais plus. Non, je crois qu'il me reste 2 minutes parce que la dame, elle m'a. En fait, il y a le facteur qui est arrivé. Du coup, ça m'a totalement interrompu et je sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Mais alors plus du tout. Je suis désolée si vous m'entendez déglutir. Putain, j'ai tellement hâte de cette mousse parce que là, j'ai l'impression que vous entendez tout. Ça me stresse de ouf. On va mettre ça. Ah bah voilà, c'est bien ça. Hop. La 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 la. Ouais, le truc. Le truc qui va pas du tout, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la salle de bain? Je voulais le petit. Attends, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est un peu design. J'aime bien ce petit luminaire. Il est sympa, ça va. Va mettre ça. Hop là. Voilà. Ça me paraît bien.
Oh, mais je vais les castrer avec leur scooter là. En fait, il y a un feu à côté de chez moi, ils sont là. Nique ta mère! Putain! Fucking retard! Non, mais c'est pas possible d'être aussi con! Est-ce qu'il y a... Franchement, s'il y a des motards dans le tas, expliquez-moi pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Enfin, vous le faites sûrement pas tous d'ailleurs. Mais ça se trouve, je me dis, tu sais, c'est pour. T'es obligé, sinon ton moteur s'arrête ou je sais pas. Non, mais franchement, expliquez-moi parce que je comprends pas le. On a juste l'impression que c'est pour faire chier en fait. Mais ça se trouve, il y a une vraie raison. Donc s'il y a une vraie raison, instruisez-moi. Sur ce, je pense que l'épisode est terminé. Je sais plus du tout où j'en suis avec toutes ces conneries. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça plaira à Missa, même si j'ai pas fini. J'irai empiéter. Bah, j'ai déjà un petit peu empiété, hein, j'ai envie de dire. J'espère que ça lui plaira. J'ai hâte de voir sa réaction. Et puis. On se retrouve dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, ce sera sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à elle et puis à moi si ça vous a plu. Je vous envoie plein de cœurs et des paillettes et salut!